Docteur Osman, we are live now. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers participants à ce webinaire extrêmement important. Je suis le professeur Ousmane Niaye, pédiatre et membre du bureau exécutif de l'Association internationale de pédiatrie. J'ai le plaisir aujourd'hui de co-modérer cette session sur la santé mentale dans le contexte de COVID-19. Avec mon collègue, le professeur Amaury Sani Folke, de la Côte d'Ivoire, qui est membre du bureau exécutif de l'Association internationale de pédiatrie et qui est la présidente de l'UNAPSA. Nous le faisons au nom de l'Association internationale de pédiatrie et nous remercions toute l'équipe, le bureau, Jonathan, professeur Haddad, Navin, Erol, pour tous les efforts qui sont faits pour rendre visibles les activités de l'Association internationale de pédiatrie qui regroupe toutes les sociétés et associations de pédiatrie au niveau mondial. Et depuis le début de la pandémie, l'Association internationale de pédiatrie a mis en place une série d'activités de partage de connaissances scientifiques qui visent à améliorer la prise en charge de cette épidémie qui fait beaucoup de dégâts au niveau mondial. Et c'est dans ce cadre, en collaboration avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, que l'Association internationale de pédiatrie a initié une série de webinaires qui se sont déroulés dans les principales langues de l'Association internationale de pédiatrie, que sont la langue anglaise, la langue espagnole et la langue française. Beaucoup de webinaires ont été organisés, très intéressants, qui ont eu une audience particulièrement très forte. D'autres vont être programmés, tels que celle qui va porter sur le syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant dans le cadre de la COVID-19 ou bien la COVID-19 et santé du nouveau-né qui sont importants. Toutefois, le prochain webinaire qui va être organisé sera le 4 août et portera sur la santé et la sécurité des enfants à l'école. Donc, c'est un webinaire très intéressant pour lequel nous vous demandons une connexion extrêmement forte pour pouvoir essayer de trouver des solutions à la réouverture des écoles ou bien à la gestion des enfants au niveau des écoles. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'avais dit tantôt, de santé mentale dans le contexte de COVID-19 chez l'adolescent. L'adolescent, on le sait, est une tranche d'âge extrêmement vulnérable, très difficile, hein, qui consacre une transition entre la vie de l'enfant et la vie de l'adulte. Et nous savons aujourd'hui que les adolescentes au niveau mondial sont exposées à beaucoup de menaces qui vont impacter sur leur avenir ou bien sur leur vécu à court terme. Nous savons pratiquement que dans le monde, pratiquement tous les jours, il y a 3000 enfants, 3000 adolescents qui vont décéder de causes évitables, et c'est important. Et on sait que 20% des adolescentes sont impactées par des problèmes de santé mentale. Et je pense que ce sont des questions extrêmement importantes à adresser dans ce contexte particulier où des mesures ont été prises pour maîtriser l'épidémie, telles que le confinement, telles que la restriction des déplacements, autant de stratégies qui vont altérer un peu les activités des adolescents qui ont besoin, comme on le dit, de respirer, d'avoir une activité sociale, de socialiser. Et je pense que c'est une question extrêmement importante à adresser. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Association internationale de pédiatrie, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, a fait appel à des experts de très haut niveau dans le domaine de la santé de l'adolescent, la santé mentale, et qui vont vous parler de ces questions et certainement qui vont susciter beaucoup de discussions. Je vais vous les présenter très rapidement. Le premier intervenant sera le professeur Pierre Michaud, qui est un professionnel de la médecine et de la santé de l'adolescent à la faculté de médecine et de biologie de Lausanne, l'Université de Lausanne, et qui est fondateur d'un programme de formation sur la santé et la soins aux adolescents appelé OTUCH. Il est le vice-président de la commission d'éthique de recherche biomédicale du canton de Vaud. Je pense que c'est un expert de très haut niveau qui va vous donner vraiment des informations très intéressantes sur la santé mentale de l'adolescent. Les deuxièmes intervenants qui vont partager leur présentation, il s'agit du docteur Saad Ouakis, qui est d'origine marocaine,
qui est un étudiant qui est très engagé, qui est en fin de formation, et engagé dans le plaidoyer sur la santé globale, et qui est un officier de liaison des étudiants au sein de la Fédération internationale de l'association des étudiants, IFMSA, et membre du comité du consortium des universités pour la santé globale. Il a beaucoup travaillé dans des campagnes et projets sur la COVID-19 et surtout sur la santé mentale. Je pense que c'est un présentateur extrêmement très jeune, mais quand même beaucoup d'expérience qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses sur la santé mentale. Il va partager sa présentation avec le professeur Fabio Prisca, qui est un manager de développement de l'adolescent et qui travaille sur l'élaboration d'outils et de standards pour l'engagement civique des adolescents. Il apporte un appui technique aux bureaux pays et régionaux de l'UNICEF. Et je pense également qu'il a une certaine expérience de terrain qui nous permettra de mieux comprendre ces problèmes liés à l'adolescent. Enfin, nous présentons Laura Paccione, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et qui travaille à la division de santé mentale de l'enfant et des jeunes à l'Université de Toronto. C'est un consultant, collaborateur de l'OMS au département de santé mentale et des abus de substances depuis 2015. Une sacrée expérience qui va beaucoup nous apprendre au cours de ces présentations. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue ami, la modératrice, le professeur Amaury Sani Folke, qui va introduire les différents présentateurs. Professeur Folke, vous avez la parole. Merci, professeur Ndiaye Ousmane. En effet, l'occasion est donnée pour dire encore merci à l'AIP, à l'OMS et à l'UNICEF pour nous permettre d'échanger sur les thématiques qui sont d'actualité. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Pierre-André Michaud. Comme vous l'avez dit, il est spécialiste dans la santé des adolescents et il est professeur à la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Professeur, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci infiniment de votre invitation. On m'a donc demandé d'ouvrir ces échanges et de brosser rapidement une image de la santé mentale des adolescents. Je commencerai par dire que tout au début de l'épidémie, on s'est évidemment beaucoup intéressé et préoccupé de la santé des personnes âgées qui étaient particulièrement vulnérables en termes infectiologiques. Mais peu de temps après, je crois que toute une série de professionnels ont pris conscience du fait que les adolescents présentent une vulnérabilité au COVID qui est d'une nature différente, même si certains sont infectés, et qui se manifeste dans le domaine de la santé mentale. Au fond, pour se développer correctement, les adolescents ont besoin d'environnements protecteurs, d'un contexte économique, social, familial et de soins aussi qui soient adaptés. Et à l'évidence, le COVID ou la COVID a un impact majeur sur cet environnement. Avant de parler de santé mentale au sens strict, j'aimerais faire une remarque sur la santé des adolescents et vous rappeler que, bien sûr, l'adolescence est une période de vulnérabilité, mais c'est aussi une période d'opportunité. Je suis sûr que nos collègues Fabio et Saad vont en parler. À titre d'illustration, je vous rappelle que toute une série de travaux sur le cerveau, le développement du cerveau des adolescents, ont démontré les transformations très profondes que le cerveau subit entre 10 et 20 ans, avec une sélection des cellules neuronales, ce qu'on appelle en anglais le pruning, et une augmentation de la substance blanche. Comment est-ce que cela se traduit concrètement? Cela se traduit par le fait que les adolescents sont à un âge où ils sont encore extrêmement adaptables, flexibles. Et c'est ça qui me fait dire, encore une fois, que l'adolescence est un âge où
il subsiste énormément de possibilités d'évolution positive et c'est un peu de ça qu'il faudra qu'on parle aujourd'hui aussi. À titre d'exemple, j'ai pas mal collaboré avec un programme en Moldavie qui a été monté sur la base d'un réseau de jeunes qui ont collaboré avec des professionnels de la santé pour monter des unités accueillant des adolescents qui nécessitaient des soins. Et vous voyez que, au fond, grâce à ces jeunes, grâce à ce réseau, ils ont réussi dans ce pays très pauvre à augmenter singulièrement l'accès aux soins. Parlons maintenant des problèmes de santé mentale et, pour commencer, du poids qu'ils représentent du point de vue de la mortalité. Vous avez ici des statistiques très récentes publiées par l'UNICEF qui vous montrent que chez les garçons, la mortalité est largement liée aux accidents de la route, à la violence interpersonnelle et aux conduites suicidaires. Et chez les filles aussi, les conduites suicidaires et les accidents tiennent une place très, très importante. C'est dire qu'au fond, une partie de ces événements sont liés à des problèmes de santé mentale qui peuvent se manifester à la fois par l'auto-agression, notamment les tentatives de suicide et le suicide, mais aussi par des comportements à risque et entraînant des accidents. Très brièvement, les problèmes de santé mentale touchent globalement environ 20% des jeunes à un moment ou un autre. Et le suicide, j'y ai fait allusion, constitue la deuxième cause de mortalité chez les 15-19 ans dans à peu près tous les pays du monde, et pas seulement dans certaines parties, comme vous le voyez, puisque 15% d'adolescents ont envisagé de se suicider dans des pays à bas ou moyen revenu. Et ces troubles semblent en augmentation un peu partout dans le monde. Alors, quelles sont-elles ces problématiques de santé mentale? Je vous montre un tableau qui vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut parce qu'il est, au fond, assez difficile de mesurer exactement la prévalence de troubles de santé mentale. J'ai volontairement fait figurer dans le haut de ce tableau les troubles du spectre de l'autisme tout en précisant qu'il s'agit là de problématiques neurodéveloppementales et pas de maladies psychiques ou psychiatriques au sens strict. Mais si j'ai fait figurer cette catégorie, c'est parce que ce sont des jeunes qui sont à risque, et je peux imaginer que notre collègue Laura Pacioni en parlera. Le taux paraît très élevé. Je dirais que les patients qui ont des formes typiques et sévères d'autisme ne constituent qu'1% de la population et pas forcément 7%. Vous voyez aussi la place tenue par la dépression, les troubles de la conduite dont j'ai déjà parlé en relation avec les accidents, les troubles alimentaires, les troubles anxieux. Et vous pouvez bien comprendre que le confinement, la menace que constitue le Covid ont potentiellement un impact sur ces troubles psychiques. Alors, quelle réponse est-ce qu'on amène habituellement et quelle réponse est-ce qu'on devrait amener dans le contexte actuel? Eh bien, une réponse en plusieurs étapes, parce qu'au fond, il faut pouvoir dans un premier temps identifier les jeunes en difficulté. Et ils ne se manifestent pas toujours. Un certain nombre de jeunes ont des difficultés personnelles, notamment dépressives, sans nécessairement s'en ouvrir. D'où l'importance pour l'entourage, les parents, les professionnels d'être vigilants au fond et d'interpeller ces adolescents quand ils sentent que ceux-ci sont en butte à des difficultés. Et puis ensuite, il y a toute la question de l'accès aux soins de base qui, en période de Covid et surtout dans certains pays du monde, est particulièrement précaire, difficile à garantir.
l'accès à des soins spécifiques psychiatriques pour les jeunes qui sont le plus mal en point, et puis les mesures qu'on peut prendre aussi autour de ces adolescents pour leur donner un contexte, je l'ai dit tout au début, qui leur permette de reprendre pied. Alors, si vous êtes d'accord, quelques mots encore pour réfléchir à l'impact de la pandémie Covid sur ces problématiques de santé psychique. D'abord, à l'évidence, le confinement, l'isolement, la perte de lien avec les jeunes du même âge peut aggraver des problèmes de santé qui étaient préexistants, mais qui peut aussi, dans certains cas, les produire. Il y a un facteur qui pèse extrêmement lourd dans beaucoup de pays, c'est celui de la déscolarisation, l'école représentant pour beaucoup d'adolescents un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où on élabore des projets, où on se construit. Et évidemment que Internet d'abord ne remplace pas complètement ce creuset que représente l'école, et par ailleurs, toute une série de pays du monde ne connaissent pas un taux de couverture Internet suffisant, et pas seulement dans des pays à bas revenus. Bon, évidemment, en Afrique, le taux de couverture en tablette et en ordinateur reste relativement faible, mais même dans certaines grandes villes de pays à haut revenu, le problème se pose dans des quartiers relativement pauvres. L'absence de sport aussi, de possibilité pour ces jeunes de s'extérioriser, d'échanger, de se mesurer à d'autres, des problèmes aussi liés au confinement qui peuvent, pour certaines familles, représenter une source de violence ou en tout cas de disputes, de conflits difficiles à gérer. Des risques aussi liés à Internet parce que on sait qu'un certain nombre de jeunes peuvent devenir dépendants de l'usage d'Internet. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, le problème de l'accès aux soins, à la fois pour les jeunes souffrant de santé mentale, de problèmes de santé mentale, mais aussi pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Et au fond, ce que vous comprenez bien, c'est que tous ces facteurs-là ont tendance à creuser les inégalités. Ces difficultés sont accentuées à la fois dans les familles à bas revenus et aussi dans les pays ou les régions ou les villes ou les parties de villes qui ne bénéficient pas d'un bon niveau de vie. Alors, les réponses à cette situation, on manque encore de recul, à vrai dire. Moi, je suis très frappé du fait qu'on a été inondé de publications sur les aspects génétiques, immunologiques, infectiologiques du COVID, mais les études sur l'impact social, notamment sur les enfants et les adolescents, pour le moment, sont pratiquement inexistantes. Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on découvre et qu'on anticipe en termes de réponse à cette pandémie. À l'évidence, il faut, alors que les écoles ont été prises de surprise et les institutions, il faut maintenant qu'on commence à avoir du recul, réfléchir à la manière de renforcer les dispositifs d'éducation. Je pense que nos collègues Fabio et Saad vont en parler, et je l'ai dit au début, les adolescents eux-mêmes, ils ont peut-être des réponses à apporter à cet égard. Je pense par exemple au fait qu'autour de moi, un certain nombre de jeunes se sont mobilisés pour amener de la nourriture aux personnes âgées qui ne pouvaient plus se déplacer. Il faut évidemment réfléchir à la manière de protéger les plus vulnérables et d'améliorer tant que faire se peut leurs conditions de vie, faciliter, je l'ai dit, l'accès aux soins de santé mentale. Et puis, il nous reste aussi à réfléchir
à la manière de suivre cette situation et de mieux comprendre comment les jeunes, les enfants et leurs familles réagissent à la menace que constitue cette pandémie Covid. Et au fond, je pense, et ce sera ma conclusion, que ce qui est probablement vraiment très important, c'est de donner la possibilité à tous ces adolescents de s'exprimer, d'échanger, de parler de ce qu'ils ressentent, de se libérer un peu des inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Et je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à mes collègues pour la suite. Merci, professeur Michaud, pour cet exposé sur la santé mentale de l'adolescent à l'ère du Covid. On voit toutes les réalités, hein, on voit vraiment qu'on a vraiment besoin de gérer ces adolescents là, au quotidien et d'avoir des stratégies, hein, parce qu'avec cette pandémie du Covid, ils se sentent encore plus mal à l'aise. À présent, nous allons passer à notre deuxième orateur. Comme on l'a dit, il s'agit d'un duo. Et les deux orateurs seront M. Fabio Frisia, qui travaille à UNICEF et qui est responsable du développement et de la participation des adolescents à UNICEF. Et il va co-présider. Cette conférence se fera également avec le docteur Saad, qui lui est spécialiste en santé publique et en santé des adolescents mentaux. Donc, vous avez, disons, 20 à 30 minutes pour votre présentation et nous vous écoutons. Merci beaucoup. Est-ce que je suis... Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Michaud, pour l'introduction. Je pense que vous avez très bien annoncé les sujets dont on va parler avec notre présentation. Ça, c'est une présentation mixte entre moi et mon collègue Saad Ouakas. Bon, comme la directrice exécutive de l'UNICEF a dit, c'est très important de faire en soi que c'est OK de parler de la santé mentale. Nous devons inviter les jeunes à partager leurs soucis. Et nous devons les écouter pour comprendre quelles sont leurs idées sur comment s'en sortir, sur comment reconstruire mieux au bout de cette crise. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette présentation. Comment l'UNICEF fait pour écouter les jeunes et qu'est-ce qu'ils nous disent. Excusez-moi. Je n'arrive pas à faire next. Do you want me to share the slide? Oui, voilà. Désolé. Donc, l'UNICEF a mis en place trois plateformes principales pour écouter les jeunes. La première, c'est U-Report. U-Report, c'est une plateforme digitale qui utilise différentes possibilités, WhatsApp, Facebook, Viber, SMS, pour faire plusieurs choses. Les deux plus importantes, c'est lancer des enquêtes et écouter la voix des jeunes, et l'autre, c'est de partager des informations de qualité, des formations qui essaient de résoudre la confusion et la mauvaise information qui était une autre épidémie dans l'épidémie. U-Report, à la date d'aujourd'hui, a 11,5 millions de personnes enregistrées dans 69 pays. L'UNICEF, dans tous les bureaux des pays, lance de façon régulière, entre deux semaines et deux mois, des enquêtes avec des questions très simples pour avoir un peu la situation, pour un peu écouter qu'est-ce que les jeunes pensent, qu'est-ce que les jeunes disent. L'autre, c'est les chatbots. Donc, c'est un mécanisme de questions-réponses automatiques qui les jeunes peuvent consulter pour avoir de l'information de qualité.
qui à la date d'aujourd'hui a été consulté 7 500 000 fois, donc très, très important. Néanmoins, on sait très bien qu'il y a une partie très importante de jeunes qui n'ont pas accès à l'Internet, et notamment ça, c'est des catégories plus à risque, plus vulnérables, comme les minorités ethniques, les jeunes réfugiés, les jeunes qui sont chefs de ménage et n'ont pas le temps ou la possibilité de se connecter, d'être joints par des canaux Internet. Finalement, l'UNICEF a un partenariat avec l'OMS et le bureau de l'envoi spécial pour la jeunesse au secrétaire national des Nations Unies, a organisé une série de chats en ligne, un peu comme celles que nous sommes en train de faire. On en a organisé maintenant 10 qui ont joint environ 50 000 jeunes sous les temps plus différents, toujours affectant les jeunes et leur santé mentale dans le contexte du virus. Et ça, c'est trois options que l'UNICEF a mis en place parmi des autres. Mais en fait, comme le professeur Michaud avait annoncé, les jeunes sont très actifs. Donc, il y a une quantité infinie de plateformes qui ont été mises en place par les jeunes mêmes, qui n'est pas seulement ils essaient de faire écouter leur voix, mais ils se sont organisés pour partager de l'information de qualité et pour donner de l'appui entre eux et avec des autres segments de la société. Maintenant, je donne la parole à Sar Oukras pour continuer la deuxième partie de la présentation sur les résultats de ces enquêtes. Sad, la parole est à toi. Je vais te passer les PowerPoints. Merci beaucoup et bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va être intéressant. Je vais parler surtout sur les résultats de l'enquête, des enquêtes, qui en fait plusieurs enquêtes qui ont été effectuées pour un peu savoir et voir la santé des adolescents et l'effet du COVID-19 un peu sur la santé des adolescents. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a... le slide qui montre un peu la santé ou bien les résultats de l'enquête, on a trouvé que plus de 72% des adolescents qui ont répondu aux plusieurs enquêtes avaient des sentiments négatifs envers le COVID-19. Surtout, il y avait des sentiments de tristesse, de colère, de désespoir, de dégoût et de solitude. Et là, il est très important de noter comme quoi, tout d'abord, pour pouvoir un peu analyser ou bien faire agir pour les adolescents, on doit toujours savoir les sentiments et analyser leur situation. Et ça, c'est la première étape. Et c'est ce qui a été fait là. Plus de 70% de jeunes et des adolescents qui ont des sentiments négatifs envers COVID-19. Et puis, il y avait... des analyses et l'enquête qui a trouvé que plusieurs jeunes avaient des problèmes en ce qui concerne et l'incertitude pour l'avenir. Et comme vous pouvez voir ici, plus ou bien près de 80%, il y avait plus de à peu près 20 000 personnes qui ont rempli les formulaires, qui craignent qu'il y aurait des suspicions d'infection autour d'eux. Lorsqu'on parle des familles, lorsqu'on parle de l'entourage, lorsqu'on parle de l'école et tout, il y a cette peur, il y a cette incertitude que les adolescents ont dans cette époque envers le fait de pouvoir attraper ou bien tomber malade en COVID-19. Et ça, c'est l'un des difficultés ou bien des challenges que les jeunes ou bien les adolescents ont rapporté. Le deuxième challenge ou bien le deuxième défi, c'est l'incertitude et surtout lorsqu'on parle de manque d'information et le manque de connaissances sur le COVID-19. Et vous pouvez voir que à peu près la moitié des adolescents n'ont pas assez d'informations sur le COVID-19, n'ont pas assez de connaissances correctes sur la façon dont elles
le COVID-19 se propage, dont elle, comment se protéger du COVID-19. Et on sait tous que lorsqu'on n'est pas ou lorsqu'on n'a pas assez de connaissances, on commence à avoir de la peur, on commence à avoir de l'incertitude et notre état de santé mentale et de bien-être commence à se détérioriser. Et ça, c'est un autre challenge qu'on a trouvé dans les enquêtes. Le troisième challenge qu'on veut rapporter, c'est qu'il y avait une grande augmentation de problèmes économiques et sociaux vis-à-vis des jeunes et des adolescents. Aussi, il y a une peur lorsqu'on parle de l'avenir, lorsqu'on parle de l'incertitude. Les jeunes et les adolescents ne connaissent pas ce qui va arriver dans l'avenir. Et ça, en lui-même, c'est un problème qui affecte la santé mentale et le bien-être des adolescents. Alors, il y a ces trois problèmes. Et aussi, par la suite, on va parler sur d'autres problèmes qu'on a trouvés lorsqu'on parle de la santé mentale des adolescents et le COVID-19. Là, je voulais parler sur deux situations. Premièrement, on parle de l'isolement physique et son impact sur la santé mentale des adolescents. Et en général, l'isolement physique a poussé les adolescents à sortir de leur zone de confort et ils l'ont mis dans une situation de non-confort, si on peut dire, la situation d'inquiétude, la situation où les adolescents sont bloqués. Et c'est une nouvelle situation qui pousse les adolescents à avoir de la peur et plus de problèmes de santé mentale. Le deuxième problème, c'est l'isolement numérique. Et ça, surtout, c'est à cause des différentes difficultés sociales, économiques, qui a poussé les adolescents à ne pas pouvoir se connecter, ne pas pouvoir avoir l'accès aux différents outils numériques qu'il avait avant le COVID-19. Et cela a privé les adolescents de plusieurs outils, de plusieurs utilités qu'ils bénéficiaient en avant. Alors, il y a l'isolement physique, l'isolement numérique, et aussi, je vais parler un peu maintenant sur quelques challenges et problèmes que les adolescents, surtout, ont envers le COVID-19. Je vais parler premièrement sur la stigmatisation. Moi, je vis au Maroc, c'est un pays en cours de développement, plusieurs pays aussi en cours de développement, en une situation où la personne ou bien l'adolescent surtout et le jeune, quand il commence à avoir des problèmes, soit par exemple des symptômes ou bien des problèmes de santé mentale ou bien des symptômes qui ont en relation avec le COVID-19, il y a cette peur de discrimination, il y a cette peur de stigmatisation. Ils n'ont pas tendance à parler, à dire à leur entourage, à leur famille et à rapporter ce qu'ils ressentent et les symptômes qu'ils ont en tant qu'adolescents. Et ça, c'est un grand challenge parce que notre environnement aujourd'hui, la plupart des pays et la plupart des populations ont cette tendance à stigmatiser, à s'éloigner des personnes qui peuvent avoir le COVID-19. Et ça, c'est un grand problème que non seulement les adolescents ont, mais la plupart de la population. Le deuxième problème sur lequel je voulais souligner, c'est le manque de soutien pour les adolescents. Comme on a trouvé, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs sentiments négatifs que les adolescents sont en train d'avoir. Mais dans l'autre côté, il n'y a pas un vrai soutien pour ces adolescents afin de les encourager, afin de tenir leurs mains et les pousser à surmonter ces sentiments négatifs. Le manque de soutien, on parle là de la famille, le rôle de la famille, le rôle de l'école, le rôle de la société, le rôle des médecins et des soutiens lorsqu'on parle des psychologues et tout. C'est toute une communauté qui doit travailler et assurer un soutien pour les adolescents comme une population vulnérable afin de les encourager à surpasser les sentiments négatifs. Et finalement, je vais parler sur le sentiment d'utilité. On a remarqué que les jeunes et les adolescents, ils ressentissent un manque d'utilité dans cette situation de confinement, dans cette situation de COVID-19. Ce que je veux dire par ça, c'est que en général, ils se sentent qu'ils n'ont pas le pouvoir pour agir ou bien pour faire quelque chose afin de contribuer ou à contredire le COVID-19 et la situation dont ils vivent. Et ce problème ou bien ce sentiment de non-utilité, ça augmente les sentiments négatifs des jeunes et ça détériorise la santé mentale. Et finalement, je voulais partager
quelques témoignages qu'on a eus, des témoignages de jeunes et des adolescents qu'on a trouvés. Et on a par exemple Daniel qui a 13 ans et qui est une étudiante à El Salvador. C'est ce que Daniel a à nous dire, c'est quand j'ai entendu parler pour la première fois de la fermeture des écoles à cause du coronavirus, je me suis senti stressé parce que je ne pourrais pas voir mes amis et parce que c'est difficile d'apprendre et qu'on n'a pas un professeur devant vous. Là, on ressent des sentiments de tristesse, un sentiment d'inquiétude et le fait que l'adolescent est séparé de leur milieu professionnel. Là, on parle de l'école. Lorsque l'adolescent est séparé de leur milieu social, on parle des amis, on parle de séparation avec les amis et l'entourage. Ça pousse pour la tristesse, ça détériorise la santé mentale. Et aussi, nous avons Mustapha de l'Irak qui rapporte le même sentiment. Et il dit que je dois les assumer, je dois assumer les frustrations et je dois passer cette situation de tension. Ici, si on voit le témoignage de Mustapha, on voit qu'il y a un manque de soutien, il y a des sentiments négatifs, mais il n'y a pas un soutien par rapport à l'entourage pour aider cet adolescent, pour aider ces jeunes et ces adolescents à surpasser ces émotions négatives. Alors, ce étaient quelques résultats des enquêtes qui ont été faites pour trouver les différents problèmes et situations que le COVID-19 a causé en matière de santé mentale pour les adolescents. Et je vais passer la parole encore à Fabio pour parler sur les solutions et comment on peut adapter plusieurs stratégies pour surpasser ces problèmes. Fabio, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, on voit. Voilà. Donc, merci beaucoup, Saad. Et donc, comme notre directrice exécutive nous a dit, il faut écouter les jeunes. Et voyons parmi les différents éléments des requêtes, des demandes que nous avons pu capturer avec nos plateformes. On les a regroupées dans trois grandes familles. Donc, plus d'espace, un espace sécurisé pour parler de comment ils se sentent, de partager entre eux et se sentir validé dans leurs nécessités. Ils demandent une normalisation du comportement de la recherche de santé mentale. Donc, de la même façon qu'ils se sentent qu'ils peuvent être excusés pour des problèmes de santé physique, par exemple dans l'école ou dans leurs autres fonctions, même au sein de la famille, de l'aide au ménage, ils souhaitent pouvoir être excusés aussi pour s'occuper de leur santé mentale ou à cause des problèmes de santé mentale qu'ils sentent avoir à cause de l'isolement. Ils demandent aussi la possibilité d'apprendre davantage sulla santé mentale, apprendre à comment reconnaître les difficultés, les symptômes, comment gérer la santé mentale, mais aussi à comment eux-mêmes ils peuvent aider, comme eux-mêmes ils peuvent être des bons amis, des bons frères, des bons filles, cousins. On a vu très bien comment c'est important pour les jeunes les résultats sociaux. Finalement, il demande un accès facile et gratuit. Et n'oublions pas les difficultés que plusieurs d'eux ont accédé aux plateformes Internet. Donc, un accès pour pouvoir avoir accès au service de santé mentale. Toutes les plateformes sont différentes, plateformes seront appropriées dans différents contextes. L'école toujours en première, mais aussi l'école ne pas seulement formelle, aussi l'éducation informelle ou non formelle, mais aussi des autres plateformes qui seront disponibles à différents contextes et bien évidemment les services des médicales et des pédiatres. Maintenant,
un dernièrement des défis, et les défis, bien évidemment, nous devons toujours les voir, les transformer dans des opportunités. Donc, cette crise a mis en exergue des besoins d'un côté déjà existants et des autres côtés des nouveaux problèmes. Disons qu'il y a, des opportunités pour faire face à ces défis. Perturbation de la vie normale. Bon, nous savons déjà que les jeunes ont besoin de s'adapter pour la transition dans la vie adulte. Raison plus maintenant, nous devons les accompagner dans la recherche des autres, trouver des opportunités pour soutenir leur résilience, leur capacité de résoudre des problèmes, leur donner la confiance, l'habilité de faire face à des situations difficiles. On a vu avec les résultats qui ont été présentés une augmentation de la peur, de l'anxiété. Donc, l'importance de les donner des outils pour faire face à la peur, à l'anxiété, aux émotions négatives, à la tristesse. Et finalement, ce sentiment d'isolement qui a été de façon assez systématique reporté par les jeunes, évidemment, qui étaient objectivement isolés comme tout le monde ou comme beaucoup de monde. Nous devons donc les encourager à renforcer leur connexion sociale, leur connexion dans la famille, construire des compétences interpersonnelles avec la société, la communauté, la famille, leurs amis. Voilà quelques réflexions. Les pédiatres peuvent avoir un rôle très important, n'est pas seulement dans l'exercice de leur profession et donc dans les soins mentaux ou des conditions mentales, mais aussi en rappelant aux jeunes que comme ils ont une responsabilité pour leur santé physique, ils ont aussi une responsabilité pour leur façon, pour leur santé mentale. Comme nous savons très bien l'importance du réseautage social pour les jeunes, donc rappeler que chaque jeune peut faire la différence. Donc rappeler l'importance de l'appui, de l'éducation entre pairs, du soutien entre pairs, essayer dans la mesure possible de donner des outils à ces jeunes pour appuyer des autres jeunes. Et finalement, sortir avec, dans leur communauté pour atteindre des plateformes. L'école est toujours une première candidate, mais n'est pas seulement, pour faire en soi qu'on puisse avoir au-delà des services de santé, aussi des autres plateformes où la santé maternelle peut recevoir du soutien. Et voilà, donc merci beaucoup pour nous avoir donné la possibilité de partager nos expériences. Donc, je donne la parole au prochain intervenant, Laura Paccione. Merci beaucoup. Merci, Fabio. Mais laissez-moi introduire juste un peu la prochaine intervenante. Donc, merci pour vos présentations. Et nous avons vu avec le professeur Michaud, avec M. Fabio et avec Dr. Assad, l'adolescent qui constitue une période de vulnérabilité, mais comme l'a souligné le professeur Michaud, également une période d'opportunité. Et on a vu que nous devons aller vers ces adolescents, en tout cas les amener à venir vers nous, parce qu'il faut surtout les écouter. Et vous avez donné des outils, il faut qu'on trouve des outils pour faire face à leur peur, leur anxiété et leur incertitude. Et quoi de plus normal dans la gestion de cet adolescent-là de faire appel au psychiatre. Et notre psychiatre aujourd'hui, c'est Laura Paccione, qui est de l'OMS et qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent dans le département de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS. Laura, vous avez la parole. 15 minutes. Merci. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Paccione. Aujourd'hui, je présente au nom de Tarun Dua et Chiara Cervelli du département de la santé mentale et des toxicomanies de l'OMS. Nous avons déjà entendu parler des risques, des vulnérabilités et l'impact de la pandémie sur les adolescents. Je veux juste dire,
Je veux juste noter en plus que la crise de santé publique peut également accroître les vulnérabilités et les inégalités existantes pour les adolescents, en particulier pour les filles et les jeunes femmes qui peuvent être exposées à un risque accru de grossesse précoce et de violence sexiste. Aussi, certains adolescents vivent déjà dans les contextes à haut risque, tels que les conflits, les catastrophes naturelles et autres urgences humanitaires. Les adolescents handicapés ou vivant avec des parents handicapés peuvent être confrontés à des risques importants associés à la COVID-19. Il devrait donc être clair que la santé mentale et le soutien psychosocial sont un élément essentiel de la réponse de la santé publique au COVID-19. Et à l'appui de cet objectif, les Nations unies ont créé une note d'orientation sur le COVID-19 et la nécessité d'une action sur la santé mentale. La réponse au COVID-19 comprend la protection des adolescents contre l'infection et la fourniture du traitement nécessaire. Cependant, les adolescents sont touchés par les mesures de contrôle des infections et peuvent également être affectés par les autres conséquences négatives de la pandémie. Malgré cela, la pandémie offre également une occasion de reconstruire en mieux. Il existe un certain nombre de ressources spécialement destinées aux adolescents. Le site web de l'OMS contient des infographies, contient des conseils sur le bien-être et la gestion du stress. Ceux-ci peuvent être imprimés sous forme d'affiches. La ressource fait ce qui compte en période de stress et des exercices écrits et audio pour aider à faire face au stress, mais une version française n'est pas encore disponible. À l'UNICEF, a également les informations pour les adolescents sur la protection de leur santé mentale. Aussi, des inquiétudes ont montré une augmentation de la consommation de l'alcool chez les enfants. Aucune étude n'a été réalisée sur les drogues, mais la consommation de drogues peut également être augmentée. Plusieurs pays touchés par le COVID-19 ont connu une augmentation des niveaux de violence à la maison. Cela inclut la violence contre les enfants, la violence du partenaire intime et la violence contre les personnes âgées. Il y a donc des risques élevés et des autres formes de maltraitance des enfants et des adolescents sont probablement également augmentées. Je veux noter aussi qu'il est important d'impliquer les adolescents dans le développement de ces ressources. Les adolescents peuvent promouvoir les changements, ils peuvent identifier les besoins de la communauté et être impliqués dans les actions communautaires. Il y a une réunion récente avec le directeur général de l'OMS intitulée « Faire face au COVID-19 et la santé mentale des adolescents ». Aussi, des infographies seront bientôt publiées par l'OMS. Ceci contiendra les informations sur le bien-être, les soins personnels, les relations saines et les techniques de gestion du stress. Il est important aussi pour les pédiatres de travailler en collaboration avec les parents et les enseignants. Il y a un site web de ressources parentales, covid19parenting.com, avec des conseils en plus de 90 langues développés par l'OMS, l'UNICEF et d'autres organismes. Les écoles et les enseignants jouent un rôle essentiel aussi. Le document de l'OMS décrit les services essentiels. Il contient les informations spécifiques aux adolescents. Il est aussi important pour les cliniciens de prêter attention aux plus vulnérables.
ceci concerne les conditions de santé mentale, communauté LGBT, handicapés, pauvreté, non scolarisés et ceux qui ont des problèmes de santé comorbides, par exemple VIH ou SIDA. Les cliniciens devront peut-être trouver les moyens novateurs d'accéder à ces populations. Aussi, les travailleurs de la santé doivent être connaissants des risques et pouvoir reconnaître les signes de la violence familiale et de maltraitance des enfants et des adolescents. Le guide d'intervention MHGAP peut aider à l'évaluation du risque chez les enfants et les adolescents. Il existe également un certain nombre de ressources et initiatives créées par les pays. Il y a un livre, Mon héroïne, c'est toi, et a été traduit en plusieurs langues et des vidéos, des lignes d'assistance et des groupes de soutien ont été créés aussi. Il est clair qu'il existe un certain nombre de ressources de haute qualité pour soutenir les adolescents, leurs parents, les enseignants et les prestataires de soins de santé. Il y a aussi un nombre de considérations. Il sera important d'optimiser les ressources et d'envisager des méthodes de diffusion et de format, en particulier compte tenu de l'infodémie actuellement. Ça pose un risque. Et comment pouvons-nous impliquer au mieux les communautés et des écoles dans la promotion et la prévention de la santé mentale des adolescents? Quels sont les services de santé mentale essentiels à l'adolescence et quel est le rôle de télésanté? Et quels sont les impacts à long terme sur la santé mentale des adolescents? À cause de l'infodémie, les désinformations, des mythes et des idées fausses sur le COVID-19 sont courants et ont un certain nombre de conséquences négatives, notamment en affectant la santé mentale de l'adolescence. Les pédiatres ont un rôle important à jouer en fournissant des informations précises, en dissipant les mythes et en soutien des adolescents et leurs parents. Il y a aussi quelques liens web supplémentaires mis à jour régulièrement. Aider les adolescents et s'épanouir, HAT, Helping Adolescents Thrive, est une collaboration entre l'OMS avec l'UNICEF, des interventions de promotion et de prévention de santé mentale pour les adolescents. La boîte à outils, HAT, fournit des stratégies et des ressources pour réduire l'exposition au risque, promouvoir des environnements propices dans les écoles et les communautés et aider les familles dans l'établissement de relations enrichantes. Par rapport à l'adolescence, améliorer les comportements individuels pour faire face aux adversités et réduire les comportements à risque et bénéficier d'une santé mentale optimale. Les interventions environnementale comprend les lois et les politiques, le soutien des soignants et les environnements favorisant la santé mentale et l'apprentissage socio-émotionnel des adolescents. Et ça, c'est bientôt disponible, je pense qu'au mois de septembre. Sur une base d'évaluation rapide, il y a d'importantes interruptions de services dans les services pour les malades non transmissibles. Les interruptions de services sont probablement similaires dans les services de pédiatrie et de santé mentale. La situation dans certains pays est rendue encore plus difficile par le manque de spécialistes. Malgré les défis, il y a des opportunités à considérer. Ceci inclut
reconstruire en mieux, planifier de meilleurs services pendant et après la pandémie, fournir des soins par télésanté, créer des réseaux numériques de santé mentale ou d'applications de santé pour adolescents, numérisation des ressources de l'OMS et collaboration entre spécialités médicales. La télémédecine est une opportunité émergente, mais il y a quelques considérations, notamment la formation, acceptation par utilisateurs, modification des politiques, lois et systèmes de paiement, et le manque de ressources numériques dans certains contextes. Aussi, il y a des problèmes de sécurité et un manque de progrès en informatique et technologie nécessaires pour le service. En ce qui concerne les orientations futures, les pédiatres jouent un rôle important pour aider les adolescents et s'épanouir pendant et après le COVID-19. Ce rôle important peut inclure promotion, prévention et traitement de la santé mentale, éduquer les adolescents et les soignants sur la santé mentale, les comportements de santé positifs et parentalité et l'adaptation pendant le COVID-19. Aussi, fournir des services de santé adaptés aux adolescents. Et si possible, assurer la liaison avec l'école, accroître la sensibilisation et plaider auprès du gouvernement. Il est important de viser une nouvelle et meilleure normale pour les adolescents. Merci. Merci pour cette intervention de notre psychiatre, Laura, qui a donné des stratégies pour la gestion de ces adolescents là sur la santé mentale. Donc à présent, je remercie encore une fois tous les différents présentateurs. Professeur Ousmane Diaye, vous êtes là. Nous allons passer à la série des questions. Oui, j'attendais des questions ici sur le question-réponse. Je n'ai pas encore eu de questions. Je ne sais pas si au niveau du YouTube, il y a des questions qui vont être posées. Je ne sais pas, mais pour le moment, je pense que je peux en profiter pour poser la question, pour ouvrir les choses. Je pense que ce sont de très bonnes présentations qui ont été faites ici par les 4 présentateurs. Mon souci, c'est la réponse adaptée dans nos contextes par rapport à la COVID-19 chez ces adolescents. Parce que l'approche qui a été donnée est une approche assez générique qui s'appuie beaucoup sur le numérique, etc. Et on sait ici que, comme l'a dit Saad, il y a un isolement numérique. Et on sait aussi qu'avec la fermeture des écoles, les ados, pratiquement, l'école, la famille s'est substituée à l'école. Est-ce que, je pose la question à tous les 3 ou tous les 4, est-ce qu'il n'y a pas une politique de contournement de ces problèmes de numérique en s'appuyant sur peut-être les familles qui vont se... Parce que là, on n'a pas souvent de messages envers les familles qui doivent être à l'écoute de ces ados. Est-ce qu'il y a des stratégies, que ce soit l'UNICEF ou bien que ce soit d'autres organismes par rapport à la participation des familles? L'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup qui n'ont pas accès à l'Internet et on utilise beaucoup chez nous les réseaux communautaires. Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur des agents de santé communautaires pour donner des messages clés au niveau des familles et faire passer les questions qui sont en rapport avec la gestion des adolescents? C'est pour ouvrir la série de questions, comme on n'en a pas encore. Donc, je pense qu'ils vont répondre. Oui, Fabio. Merci beaucoup, docteur Ndiaye. En fait, je pense que nous sommes en train de vivre une vraie révolution digitale, une révolution qui était déjà en cours, mais qui maintenant est en train d'accélérer énormément. Nous l'avons vu surtout dans les continents africains, comme il y a 10 ans,
d'un jour à l'autre, tout le monde a accès à un téléphone cellulaire. Maintenant, probablement, le même scénario va se répliquer avec la connexion. Cependant, il y a un gap, un décalage dramatique des populations plus vulnérables. Donc, d'un côté, l'approche de l'UNICEF est de, essayer d'accompagner cette vague de diffusion du digital pour assurer que le plus rapidement possible, les catégories plus vulnérables auront accès à la bande. Et de l'autre côté, travailler avec tous les réseaux, toutes les plateformes qu'on avait jusqu'à maintenant, qu'on avait déjà, pour assurer aux ceux qui n'ont pas cette opportunité de ne pas être oubliés. Une considération par rapport au digital, une des dimensions de cette révolution est que les catégories vulnérables vont changer ou sont en train de changer. Par exemple, on avait jusqu'à hier des catégories, par exemple, des jeunes porteurs d'handicap qui avaient des problèmes d'accès physique aux plateformes. Maintenant, ceux entre eux qui ont un accès à la bande Internet ont résolu leurs problèmes d'accès. Aussi, des jeunes qui n'avaient pas des infrastructures, des routes pour pouvoir voyager, maintenant ont la possibilité. Donc, en fait, je pense que, bon, il n'y a pas une solution finale, mais les stratégies sont d'un côté d'accompagner cette vague de diffusion pour faire en soi qu'ils puissent pénétrer vers les catégories plus démunies, et de l'autre côté d'accompagner avec des autres plateformes alternatives pour garantir que tout le monde soit assuré. Et troisième chose, être très à jour avec les données pour se rendre compte rapidement qui est en train de bénéficier et qui est en train de perdre par rapport à cette évolution. Merci beaucoup. Merci Fabio. Je pense que Saad, tu vas ajouter quelque chose. Oui, merci pour donner la parole. Je vais mentionner trois points. Le premier point, c'est qu'il faut vraiment se focaliser, comme dit Dr. Osman, sur une approche participative périphérique. Engager les différents acteurs au niveau périphérique, au niveau, lorsqu'on parle de l'accès, donner l'accès à ces adolescents aux services de soins de santé mentale afin de pouvoir améliorer leur santé mentale, afin de pouvoir trouver une aide et un support physique et mental pour leurs problèmes, engager les médecins, engager les acteurs communautaires et les docteurs au niveau communautaire, c'est très important. Le deuxième point dans lequel je voulais m'appuyer, c'est le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité des adolescents eux-mêmes, lorsqu'on parle de comment gérer ses émotions, l'intelligence émotionnelle, soutien de santé mentale, pouvoir analyser et remarquer les différents problèmes qu'ils peuvent avoir de santé mentale, renforcement de capacité des familles eux-mêmes, lorsqu'on parle de la famille et le rôle de la famille pour offrir un soutien et de l'aide et pour créer l'environnement positif, parce que la famille maintenant, c'est la plupart du temps que l'adolescent sont en train de passer, ils les passent avec leur famille, d'où l'importance de renforcer la capacité des familles et leur montrer comment ils peuvent créer cet environnement positif pour les adolescents et offrir ce soutien. Aussi, le renforcement des capacités des adolescents eux-mêmes pour donner un soutien à leurs amis, à leur entourage, parce que la plupart des interactions, soit online, soit offline, des adolescents sont entre eux-mêmes. D'où l'importance de pouvoir interagir et offrir ce soutien. Et le point final pour moi, c'est de pouvoir utiliser la technologie qui est accessible afin d'offrir ce soutien et ces services de santé mentale. Là, on parle des téléphones. Même les gens qui vivent dans des zones rurales, qui n'ont pas vraiment accès à Internet, qui n'ont pas accès à la technologie des laptops ou des PC, on pourra toujours utiliser des moyens qui sont accessibles, la radio, les téléphones, les différents outils. Et là, on ouvre la porte à l'innovation, engager différentes organisations de jeunes, d'innovateurs, afin de créer et pouvoir engager et utiliser ces outils afin d'offrir des services de santé mentale pour ces adolescents. Et merci. Merci, Saad. Laura, tu veux ajouter quelque chose, Dr. Laura? Oui, je suis d'accord avec les autres.
Je pense aussi que c'est important d'impliquer les communautés, les populations à haut risque et les adolescents pour trouver des solutions des problèmes et les défis, parce que c'est les adolescents qui ont la connaissance de ces problèmes, bien sûr, et c'est important de travailler avec pour trouver des solutions. Il y a un manque, un gap pour la technologie et l'accès aux ressources digitales, mais c'est nécessaire de trouver des solutions nouvelles pour ça, pour parler avec les centres communautaires et faire des liens avec les autres organismes pour trouver une bonne façon de mettre des services plus facile à accéder pour les adolescents. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, Laura, parce que dans la gestion des adolescents, on a vu que on a beaucoup parlé de pédiatres, mais l'adolescent, il faut qu'il ait un endroit où quand il vient, il sent que on a confiance en lui, que c'est tout pour lui, c'est-à-dire qu'il ne sera pas confronté aux autres enfants. Donc, il faut peut-être aménager les rendez-vous de consultation de manière à ce que les adolescents, là, on les voit à cette même période-là. Et je pense qu'il faut les accompagner, comme vous avez dit dans vos présentations. Parce que ce n'est pas tout ce qui a... Tout est basé, et la plus grande partie de nos stratégies est basée sur Internet. Mais peut-être qu'on a d'autres actions à innover pour pouvoir amener ces adolescents, pour pouvoir occuper ces adolescents, pour leur redonner confiance en eux-mêmes. Peut-être qu'avec eux, les groupes de soutien et tout, ils vont dire ce qu'ils veulent faire et puis maintenant les accompagner à être utiles pour la communauté. Je crois que c'est différentes stratégies qu'on va adapter, parce que quand on a écouté les interventions, c'est celui qui a Internet qui peut vraiment se mettre, avoir des nouvelles, avoir de bonnes informations, mais et les autres. Donc, je crois qu'il faut quand même qu'on réfléchisse, nos sociétés, on réfléchisse un peu à organiser ces adolescents-là pour qu'ils, en groupe, et pour qu'ils puissent être bénéfiques, même en menant des actions pour la communauté, ça va les revaloriser encore plus, c'est l'opportunité qu'on aura pu saisir. Je pense que ça, il faut qu'on réfléchisse quand même. Ousmane, on dirait qu'il y a des questions. Il y a une question qui est là, qui demande, puis-je connaître l'impact du COVID-19 sur l'activité psychosexuelle à l'adolescence? C'est posé à qui? Qu'est-ce qui va y répondre? Ils vont tous y répondre peut-être. Oui. Oui, allez-y, Laura. Donc, chacun peut donner son avis sur ça. Je ne suis pas sûre qu'il y a des études sur ça actuellement, mais il y a une augmentation des problèmes dans la famille, comme la violence, la consommation de drogue, je pense que les autres formes d'abus. Ça peut être posé un risque pour les jeunes femmes d'avoir une augmentation des risques sexuels, peut-être la grossesse précoce et aussi des maladies associées avec ça. Mais je pense que c'est nécessaire de faire plus de recherches rapidement pour vérifier des risques, parce qu'il y a plusieurs risques à cause de la pandémie. Il y a quelqu'un qui veut ajouter autre chose? Oui, je peux ajouter quelque chose? Oui. D'abord, on a quelques données préliminaires qui semblent montrer que la grossesse à l'adolescence est en augmentation dans certains pays, et c'est probablement lié à la déscolarisation et au fait qu'un certain nombre de jeunes affrontent une espèce de vide autour d'eux. J'aimerais peut-être juste refaire un ou deux commentaires par rapport aux questions qui ont été abordées précédemment. Un mot d'abord sur le rôle de la famille. Une chose qui m'a frappé dans les contacts que j'ai eus autour de moi, c'est que pour un certain nombre de familles, le confinement a pu être aussi
un élément positif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de parents ont, par la force des choses, entrepris des activités avec leurs adolescents qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc, je vois bien que pour certaines familles, ça représentait un stress important, notamment pour ceux qui vivaient dans des espaces très, très restreints. Mais en même temps, je pense qu'il faut voir aussi que cette infection du Covid, c'est peut-être une occasion pour certaines familles de repenser leur fonctionnement. Le deuxième point concerne évidemment le rôle de l'école. Bon, je ne suis pas sûr qu'on échappe à la digitalisation à l'avenir, parce que de toute façon, je crois que la digitalisation, d'une façon générale, est aussi une opportunité très importante pour les pays à bas revenus de rattraper peut-être le retard qu'ils ont pu accumuler par rapport à d'autres pays. Mais il faut peut-être le voir d'une façon créative, réfléchir à la manière dont on peut peut-être partager certains outils. Et là, évidemment, que le travail au sein de la communauté, il est important. Le troisième point que je voulais aborder, c'était celui de la télémédecine. J'ai eu pas mal de contacts avec mes collègues psychothérapeutes ces derniers temps, qui ont tous fait de la télémédecine ou de la télépsychothérapie et qui ont été très surpris de voir que ça marchait mieux que ce qu'ils pensaient avec des adolescents. Qu'au fond, alors évidemment, la majeure partie d'entre eux avaient la possibilité de voir aussi les patients, ce qui n'est pas toujours le cas avec un Zoom ou Skype ou d'autres, mais au fond, l'expérience a été moins négative que ce qu'ils auraient pu croire. Et puis, le dernier point que je voulais soulever par rapport aux pédiatres et par rapport aux services de santé, c'est qu'on doit réfléchir aussi, si on se dirige vers de la télémédecine, encore une fois, je ne pense pas que c'est une solution globale et unique, à un concept qui a été énormément développé par l'UNICEF et l'OMS, et le FNUAP, qui est le concept de service ami des jeunes. Si on veut attirer des adolescents, il faut assurer un certain nombre de conditions de base. Parmi ces conditions de base, il y en a une qui ressort dans toutes les enquêtes qui ont été menées auprès des jeunes, c'est celle de la confidentialité. Et là, il faut reconnaître qu'avec la télémédecine, on a un problème. Parce que les jeunes ne sont pas toujours en mesure de s'isoler. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la manière d'offrir des échanges confidentiels avec des jeunes, notamment aussi parce qu'un certain nombre de nos conférenciers ont mentionné le problème de la stigmatisation. Et la maladie mentale, les problèmes psychiatriques sont dans beaucoup de pays encore stigmatisés. Donc, il faut pouvoir offrir des espaces, y compris des espaces informatiques qui permettent ce dialogue confidentiel, qui permettent aussi une participation des jeunes. Je termine avec ça. On a parlé de la participation des jeunes au sein de la communauté et dans les réseaux. Je suis 100% d'accord avec ça. Et il faut voir aussi que les jeunes ont besoin de participer à leur traitement. Quand ils sont, quand ils ont des problèmes de santé mentale, il faut trouver un moyen d'en faire des acteurs de leur traitement. Et ça nécessite à nouveau une réflexion de la part des psychothérapeutes, de voir comment ils peuvent mettre ça en place en tant que pédiatre ou en tant que psychiatre. Les pédiatres peuvent faire beaucoup de choses dans le domaine de la santé mentale. Très bien. Merci Pierre pour ces commentaires très pertinents. Madeleine, tu veux dire quelque chose ou bien quelqu'un veut ajouter quelque chose? Il y avait une question. Non, vas-y. C'est la question que tu voulais faire. Voilà. Vas-y pour la question, Madeleine, s'il te plaît.
Non, je lisais une question où on demandait comment aider les adolescents à trouver non seulement la résilience, mais aussi le sens de la vie. Tout à fait. Question philosophique. Ah, c'est Laura, hein? Je reprends encore la parole, mais brièvement. Je pense que c'est une question absolument fondamentale. Okay. Dans le dialogue que j'ai eu avec les adolescents pendant toute ma carrière, même s'ils venaient pour des problèmes de santé parfois banals, une des choses qui ressortait constamment, c'était une interrogation par rapport au sens de la vie. Et il faut voir que le COVID modifie le regard que les jeunes peuvent porter sur leur avenir et que nous devons, comme adultes, nous positionner par rapport à cela. Et ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Pas facile. Est-ce qu'il y a un autre commentaire sur ça? Oui, il y a Saad qui lève la main. Et puis, il y a Fabio aussi. Deux réflexions sur ça. La première chose... Ouais. Allez-y. Je disais que la première réflexion de ma part, c'est qu'il faut surtout combattre ce sentiment d'incertitude. Parce que lorsqu'on se demande en tant qu'adolescent sur le sens de vie, c'est qu'on a un moment où il y a un sentiment d'incertitude et ça affecte négativement notre santé mentale et bien-être. Alors, on doit combattre ce sentiment d'incertitude. Première chose pour effectuer ou bien pour créer ce sens de vie et d'appartenance et d'utilité pour ces adolescents, c'est de les engager dans le fait de créer un environnement positif, de rendre ces adolescents en tant qu'acteurs dans leur contexte, dans leur environnement, dans leur famille, dans leur communauté, de leur montrer comment ils peuvent faire des actions positives, comment ils peuvent aider les autres, comment ils peuvent, par exemple, aider les proches, les gens, les amis et tout, des actions qui sont assez simples, mais qui ont un impact. Lorsque ces adolescents vont sentir qu'ils peuvent faire un impact dans leur communauté, ça donne un sens d'appartenance, ça donne et ça crée un sens de certitude et de valeur et d'estime en soi. Ça, c'est la première chose qu'on peut vraiment utiliser, c'est de rendre ces adolescents acteurs pour créer leur sens de valeur. Et le deuxième point, c'est, comme a dit le professeur Michaud, c'est le fait de créer ou bien de penser à l'avenir parce que nous sommes dans une situation qui est moderne. Dans une situation où on a des travaux qui nécessitent l'utilisation de technologies, les travaux qui peuvent être à la maison, d'où l'importance de montrer à ces adolescents ce que l'avenir a pour eux, d'où l'importance de montrer de renforcer les capacités des adolescents et de leur montrer ce que l'avenir attend et comment ils peuvent adapter à la situation d'avenir et aux différentes technologies. Et ça sera ça de ma part. Merci. On est en train de me dire que le temps qui est imparti est fini. Je passe la parole à Madeleine qui va dire un mot après on clôture, je pense. D'accord. Non, je voulais juste dire que on a vu que pour les adolescents, tout a été bien réfléchi au niveau de l'OMS, au niveau de l'UNICEF, et il y a des modules, il y a des plateformes où les adolescents peuvent communiquer et tout. Maintenant, il faut les amener, faut amener ces stratégies-là aux adolescents même. Il y en a qui pourront y aller, mais il y en a d'autres où peut-être qu'il faut faire des trucs papier et tout pour leur donner. Donc, je crois que ça sera très utile. Et le rendre lui-même responsable, acteur de sa prise en charge et lui donner l'opportunité de participer dans la communauté. Donc, je pense que bien retenu comme ça, on se rend compte que ça, la gestion des adolescents est pluridisciplinaire et il faut y aller. Merci. Merci beaucoup à tous les conférenciers. Voilà. Merci pour cette très, très bonne conclusion. Nous allons remercier tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui sur cette question essentielle qui est l'adolescente, qui est une préoccupation, et à mon avis, qui n'est pas suffisamment prise en compte dans le contexte du COVID-19. Je pense que ça, c'est une alerte pour amener les décideurs à plus les prendre en considération dans les stratégies. Donc, on dit merci à Pierre, qui a fait une très bonne entrée. Merci à Laura, merci à Saad, merci à Fabio, et grand merci à Madeleine, qui a l'habitude maintenant de bien modérer ces sessions. Ça fait maintenant un bon moment. Je pense que Fabio veut dire quelque chose avant qu'on repasse la parole à Joseph, peut-être qu'il va donner le mot de la fin. On vous remercie beaucoup et on remercie l'Association internationale de pédiatrie, sans oublier de rappeler que le prochain webinaire
va se passer le 4. Je pense que Joseph va y revenir très rapidement. Merci à tous. Merci à vous. Rien à dire de plus que ce que vous avez déjà dit. Ce fut un excellent webinaire. Je pense que les pédiatres ont été vraiment bien, bien éclaircis sur cette histoire d'adolescent. Nous avons toujours un problème de savoir qui va suivre l'adolescent. Est-ce le pédiatre ou le médecin de famille, etc. C'était toujours un problème. Mais là, vous êtes en train de mettre en relief le rôle du pédiatre dans la santé de l'adolescence. Bonne nuit, bonjour à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Allez, merci. Allez.